Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir la Gloria du mois de février. C'est parti, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis également, si cette box vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage qui permettra d'avoir une réduction de 3 euros. Voilà, donc n'hésitez pas, le lien est juste en dessous de la vidéo en barre d'informations. C'est parti, on va découvrir la Gloria du mois de février. Comme d'habitude, je vous dis, c'est une de mes box préférées, donc j'espère ne pas être déçue. Le thème est Last Drink. Voilà, jolie petite box. Je vous avoue que c'est pas forcément février, une box comme celle-ci que je m'attendais, mais en tout cas, ça donne envie d'aller boire un verre dans un bar, clairement. Petite surprise également. Tadam, c'est une box tiroir. Ça, c'est super chouette. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Moi. Ça permet de garder. Je trouve ça hyper pratique. Vous mettez des crayons, des choses comme ça. Vous pouvez les garder. Vraiment, en plus, j'aime beaucoup le petit design là. Franchement, très très bien. Comme d'habitude, leurs box sont vraiment toutes jolies. J'aime beaucoup la personne qui fait la création de ces... qui a l'idée des box, je sais pas qui c'est vrai qu'ils en parlent jamais, mais en tout cas j'aime beaucoup l'illustrateur ou l'illustratrice de La Gloria. Voilà, c'était la petite aparté. Last Drink. Alors, première étape. Étape numéro 1, c'est de la marque Merci Handy. C'est un exfoliant pour le corps, un savon exfoliant pour le corps. Je savais pas du tout qu'ils faisaient des exfoliants pour le corps, alors je vous avoue que c'est déjà mon deuxième et c'est super cool. Parce que j'ai envie de... ça sent bon. Ça sent bon. Et il est... il est tout violet. Voilà, tout violet. Très, très... il sent très, très bon. J'ai pas encore testé, parce que j'utilise pour l'instant un autre exfoliant pour le corps. Mais j'ai hâte de tester les exfoliants comme ça, solides. Alors, ils nous disent que ça a une valeur de 8 euros. Ça va, ça reste correct. Alors, ce savon exfoliant... Enchanté vous offre une expérience magique sous la douche en nettoyant délicatement votre corps et en gommant votre peau en douceur. Son parfum divin violette tonique, aussi peps que le cocktail, ne vous laissera pas indifférente. En conclusion, profitez de ce produit cosmétique du quotidien à la fois simple, pratique, coloré et d'un parfum unique. C'est fait à base de noyaux d'abricot, donc ça c'est super chouette parce que c'est naturel. Il y a de l'huile d'amande douce aussi pour nourrir en profondeur. Peps, gourmand, coloré et moussant. Ok, bah j'ai hâte de tester. Donc ça commence bien. Deuxième produit, c'est de la marque Warda. On avait déjà vu des produits de cette marque-là, très très rarement. Et là, c'est un sérum visage hydratant d'une valeur de 65 euros. Oui, oui, vous avez bien entendu, 65 euros. Donc, sérum visage hydratant. Alors, il nous dit qu'il est multi-actif, éclatant, apaisant, lissant. Ses bénéfices pour découvrir ce superbe sérum, visage, à la fois légère et apaisant, qui hydrate votre peau et agit comme une excellente base pour le reste de votre routine de soins. Grâce aux nombreux actifs anti-âge et hydratants, l'aspect de votre visage est instantanément amélioré. On valide à 300%, rien que ça déjà. Il est riche en collagène, il améliore la fermeté de la peau, en panthénol, plus connu sous le terme de vitamine B5, aux propriétés hydratantes et régénérantes, en acide hyaluronique, en repulpant, en hydratant et en Qzyme Q10, célèbre actif anti-rides. Franchement, il n'y a que des superbes propriétés à l'intérieur, je trouve ça hallucinant. Comment vous dire que, pareil, j'ai hâte de tester ce produit, parce que franchement, ça peut repulper un petit peu la peau, trop bien. Et si ça peut me donner 10 ans de moins, je prends aussi. Alors, étape numéro 4, numéro 3, pardon, c'est une lime à ongles en verre. Voilà, toute petite mini lime à ongles en verre, toute mignonne. Voilà, toute mignonne, en petit dégradé comme ça, rouge et blanc, j'aime beaucoup. On en avait déjà parlé des limes à ongles et vous êtes beaucoup à m'avoir dire que c'était bien mieux que les limes en carton, etc. Donc je vous avoue que maintenant je vais m'y mettre. Voilà, je vais m'y mettre. Réutilisable, portable, glamour, indispensable. Et je vous avoue qu'en plus vu la forme,
C'est pratique pour mettre quelque part, vous savez, quand vous cassez un ongle à un endroit, bah, d'avoir ça dans son sac, ça peut être utile. C'est bénéfice, c'est votre lime à ongles envers se glisse facilement dans votre sac en cas de besoin. Exactement. Grâce à elle, définissez la longueur et la forme de vos ongles en toute simplicité avec votre séance de manucure. Il n'y a pas de prix, et par contre votre lime est faite en verre, ce qui la rend réutilisable à l'infini. Et c'est vrai que ça c'est le petit plus. Donc ça, c'est bien, très très bien. En plus le format vraiment idéal. C'est accompagné du coup d'un vernis à ongles de la marque Inouette. Je ne savais pas qu'Inouette faisait aussi les vernis à ongles. Il est doré, on dirait un petit vernis à ongles de couleur dorée. Je vous avoue que la couleur est très très jolie. C'est un vernis couleur champagne d'une valeur de 12 euros. Bon, c'est les prix pour un vernis à ongles format full size, hein, donc pas de souci là-dessus. Ce vernis or champagne pimpe vos looks de soirée pour une touche chic et glamour. Son pinceau permet une application facile et précise sans déborder. Une manicure indispensable et longue tenue à la clé. Il est rempli de milliers de nacres dorées pour sublimer et faire briller vos 10 doigts du bout des ongles. Ok. Bah franchement, ouais, il est très joli. Je vous avoue, comme je vous l'ai déjà dit, je suis plus trop vernis classique, mais vernis semi-permanent, même si en ce moment, j'ai un peu de laisser aller au niveau de mes ongles. Je ne mets plus que de la base, je ne mets plus de couleur. Mais celui-ci, vraiment, j'aime beaucoup la couleur, donc je pense que je vais me laisser tenter. Parce que même sans forcément en passant sur des soirées, je pense que bah, je trouve que c'est une couleur qui passe un peu partout à voir sur les ongles. Mais je me dis que même au quotidien, c'est une couleur qui doit être assez facile à porter. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense. Et donc, étape numéro 5, donc pareil, je ne vous ai pas redit, mais si je trouve les produits sur Incy Beauty, hein, je ne vous ai pas dit les notes sur 20 de Incy Beauty, eh bien je vous en ferai part, d'ailleurs je regarde en même temps, si je ne trouve pas les produits, si vous n'avez pas une note, c'est que je ne les ai pas trouvés sur l'application, parce que tous les produits n'y sont pas. Là par exemple, bah, j'ai pas le code barre, donc je vais avoir du mal à trouver. Celui-ci pareil. Donc ce que je peux voir, je n'ai trouvé que celui de Warda comme produit au niveau de la liste. Et la note est pas terrible, elle est de 8,2 sur 20. Je vous avoue que des fois c'est la surprise parce que je fais les recherches après le montage vidéo. Et je me dis, waouh, en fait j'ai dit que le produit avait l'air génial et que j'ai hâte de tester. Et puis des fois il a une note catastrophique. Bon, 8,2, c'est pas non plus... Il n'y a pas de pénalité forte ou quoi que ce soit, il y a juste moyenne. Donc il y a de la glycérine à l'intérieur. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi c'est pas forcément quoi que non, c'est pas ça le problème, mais bon bref, j'ai trouvé que celui-ci, mais en tout cas bon, merci Andy, normalement il devrait pas y avoir trop de problèmes au niveau de la composition. Ça reste un vernis, donc mettez une bonne base et puis après ça devrait aller. Et donc on finit avec le dernier produit, c'est aussi un make-up de la marque Bang Beauty, donc on a déjà eu des produits de cette marque là. Et c'est un crayon yeux marron expresso martini. Ah oui, c'est très cocktail en fait, hein, les gars là. C'est pour ça que c'est last drink, donc dernier verre. Bah oui, oui, avec déjà là le tonic, violette tonic, qui est un apéritif, un cocktail. Il y avait d'autres choses. Et puis le champagne, le vernis champagne, très bien. Et puis là maintenant, un expresso martini, nickel. C'est rigolo, franchement je m'y attendais pas du tout, mais je trouve ça super chouette, c'est un peu fun et au moins le thème correspond. Donc voilà, c'est un crayon brun, tout simplement brun foncé pour les yeux. Je vous avoue que je sais pas si je pense que bah après moi j'aime bien, ça fait longtemps que je mets plus trop de crayons, mais si vous mettez même sur le ras de cils supérieur et puis peut-être avec un pinceau pouvoir estomper etc pour faire un petit fumé, c'est un maquillage simple, rapide, efficace, des fois c'est pas mal du tout ce genre de crayon, donc voilà. Alors il a une valeur de 16,95€ tout de même.
Ce crayon pour les yeux marron qui permet de mettre en valeur tous les yeux, habilement subtil votre regard pour un effet yeux de biche garanti, très facile à appliquer, il glisse sans problème sur la paupière et sèche rapidement pour un look longue tenue et sans bavure. C'est la dernière des étapes de votre mise en beauté. Ok, donc c'est bon à savoir, c'est que si vous voulez faire comme je viens de vous dire, faire un crayon et estomper, il faut le faire rapidement. Donc c'est intense, irrésistible, sobre et waterproof. Ah cool, pas mal du tout, vraiment pas mal du tout. Voilà pour le contenu, bah, je vous avoue que je suis plutôt contente. Ouais, il y a des trucs, franchement, allez, on va dire, il y a peut-être que le crayon, je suis un peu mitigée, mais franchement, j'ai la crème qui annonce que des merveilles, plus l'exfoliant savon, ça, le vernis à ongles qui est très très joli, et la petite lime, où je vais suivre vos conseils du coup, je vais l'utiliser, franchement, pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette box, et puis merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis donc à très bientôt. Ciao !